J'aime beaucoup mon arcaniste. Hein. Je l'avais fait pendant le premier Destiny. Et finalement, j'ai préféré recharger ce perso. Allez, bonjour à tous, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Et on se retrouve de nouveau dans Destiny 2. Je continue à vous montrer un petit peu de jeu. C'est plutôt une vidéo découverte, je dirais. Aussi bien que pour vous que pour moi. Bah franchement... franchement c'est joli quoi. Ouais. Alors je vais pas comparer enfin je veux dire je... Est-ce que c'est plus beau que le premier? Ouais. Ouais, je pense quand même. Je pense, ouais. Sur plein de petites choses, quand même, c'est... C'est assez beau, quand même. Hein. Je suis désolé, je me promène, mais... Non seulement c'est super joli, et puis en plus de ça, bon, bah... C'est toujours sympa de découvrir... Alors, est-ce qu'on peut toujours... Ah oui. D'accord, donc elle s'assied comme ça maintenant. D'accord. La 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 la. D'accord, donc ça elle peut toujours le faire. Ça aussi. Ah ça c'est bien. Moi j'aime bien ces petits trucs là, c'est rigolo. Et puis, ah oui, ça aussi. Ok. On va quand même essayer de montrer peut-être une mission en plus, histoire de... Comment s'est passé le combat? Oh. Je suis content de voir que vous allez bien. Je m'appelle Tira. Tira Kara. Désolée. On s'est déjà rencontrés. Je suis perturbée. Depuis que j'ai perdu contact avec la lumière. Si j'ai bien tout compris, vous cherchez le fragment du voyageur. Moi aussi, j'en ai rêvé. J'ai vu un morceau brisé et dentelé, tel une blessure qui ne guérit jamais. Mais je me méfie de son entrée. Comme nous, le fragment a perdu la lumière. Depuis que le voyageur s'en est défait pendant la chute. Voilà des siècles qu'il altère et pervertit tout ce qui l'entoure. La mort règne là où il se trouve. Si vous êtes décidé à y aller, n'oubliez pas que nous autres gardiens ne sommes plus immortels. Donc là, l'inventaire du perso. Donc là, on voit les, du coup, les items en surbrillance. Ça veut dire que. Je sais plus, c'est des nouvelles armes. Bah oui, celles que j'ai récupérées. Ouais, ça, chaîne. Arme puissante. Ouais, d'accord. Ok. Sympa. Donc on peut déjà. Ok. On peut déjà équiper, ça c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il y a toujours le même système de coffre pour stocker les items et les détruire, tout ça, enfin bref. Armure de jambes, ouais non, bah, de toute façon il n'y a rien en plus, évidemment, ce n'est que le début. Au revoir madame. Et plutôt d'ailleurs, a du charisme. Ouais, ça vaut pas mon perso. Bon, j'imagine qu'il faut aller là-haut. De toute façon, j'ai l'impression qu'il faut aller que là-haut. Hein.
Ah, bah attends, le coffre, et bah voilà, tiens. Toujours carré pour rentrer dedans, hein. Ça c'est pas mal. Donc du coup, bah il n'y a plus qu'à faire comme ça, et puis là on fait quoi? Entreposer, non, c'est pas ça? Bah si, c'est ça. Et bah voilà, tiens, c'est pas beau ça. Ok. Donc je pense qu'elle va me donner une mission, hein. La moitié de ma vie en dehors de la cité. Donc, j'ai entendu dire que vous vouliez fouiller ce gros éclat de voyageurs. Vous, les gardiennes, vous avez une drôle de façon de vous amuser. Louis et moi, on comprend bien ce que c'est que de suivre son instinct. Je ne vais pas vous retenir, mais j'ai plein de choses à faire ici. Prenez le vaisseau avec lequel vous êtes arrivé. Au moins, vous reviendrez plus vite. Vous voyez tous ces réfugiés? J'en ai pas encore perdu un seul. Alors ne soyez pas la première. Donc elle peut... Ouais. Bien. Donc ça on est d'accord, on peut pas y prendre, hein. Pas pour l'instant, très bien, donc on fait comme ça, voilà. Céleste, alors, Outor nous a fait cadeau d'un vaisseau interstellaire, l'aile de l'errance, grâce à ce vaisseau vous pourrez voyager au-delà du domaine et même vers d'autres mondes. Utilisez la carte céleste pour sélectionner de nouvelles missions, marquer des emplacements, consulter les jalons de votre aventure ou interagir avec vos amis. D'accord. Et je me suis trompé. Voilà. Ouvrir la carte. Rouge étincelle, secteur de quarantaine 236, zone morte européenne. Alors qu'autant de proposer un refuge à ceux qui ont fui la cité, une vision révèle un endroit oublié depuis longtemps. Et c'est parti. Ah, ça marche. Allez. Oh, bah, il est sympa le vaisseau de base. Il est sympa. Ce fragment est la raison pour laquelle on l'appelle zone mort. Il le faut, le sort. C'est un signe. Oui, un signe qui dit zone morte. D'accord. Bon. Vous savez, j'ai été partout dans la ZME. C'est plutôt charmant. Je veux dire, il n'y a rien de plus accueillant qu'une forêt sombre et hantée. Et ceux qui ne sont pas gardiens ne sont pas supposés quitter la cité. Le truc avec les règles de la cité, c'est qu'elles ne s'appliquent plus une fois que vous l'avez quittée. Il y a un passage dans le mur. Il est difficile à voir, pourtant il est là. Personne ne s'aventure au-delà. Du moins, pas ceux qui veulent revenir.
Ouais, je m'en doutais un peu, hein. Bah bravo. C'est toujours autant le bordel pour Ah non mais... Ah faut pas m'en vouloir mais... Eh ouais, certains vont dire ouais c'est facile de sauter. Et bah moi je suis pas doué moi. C'est comme ça. C'est bien parce que t'as la lampe torche automatique. Attends. Hop, comme ça peut-être que je vais... Est-ce que je reviens dessus? Eh non, je reviens pas dessus. Bon, c'est pas grave. Lampe puissante. Bah moi ouais je te reçois bien ouais. Faut descendre comme ça? Bon on descend comme ça alors. Ah ouais tiens, c'était là où? Pas mal celle-là tiens. Mais ça va peut-être aller, ouais. Dis donc. C'est fini, là, de m'agresser comme ça, là. Tu le veux, ce coup de poing dans la gueule? Ouais, mais du coup, j'ai l'impression qu'on... peut pas aller par là, j'ai l'impression. Ouais bah ça veut dire apparition illimitée. Limitée, je dis n'importe quoi moi. Ok, c'est cool. Le coffre était sur le chemin, personne ne peut l'oublier ni le rater. Donc ça c'est plutôt bien. Donc là on va monter l'escalier de... L'escalier... qui n'est pas droit. Ouais, on va peut-être pas sauter par là, si? Non? Je sais pas. Attends voir, on est passé par où? On est passé par là. Peut-être passé par là, non ou pas? Ah oui, mais non. Hein? Attends, c'est quoi ça? Ouais. Ça me paraît un peu bordélique ton truc quand même, non? Essayer de passer par là, non? Changer d'arme équipée. Vous avez obtenu une nouvelle arme cinétique. Appuyez sur... Ah... ouais. Ouais, et puis en plus, ça m'augmente... ça c'est bien ça.
Bah bien sûr. Mais viens là. Tu mérites un coup de poing dans la figure. Et voilà. Méchant petit bonhomme. Quelqu'un derrière ? Ah non. Ah non, mais c'est toi qui tires de là-bas. Vous avez fini de faire les tafioles, les gars. Ah. Tiens, bah tu l'as pas volé celle-là. Ah ouais. Eh bah moi aussi. Tiens. Non mais. Mais où sortez-vous là? Ah bonjour monsieur. Tiens. Putain, je trouve que c'est sympa le coup du coup de poing. J'espère qu'on peut retrouver. On va peut-être pas tomber hein, quand même. Faire un truc avec ça ou pas? Non mais c'est, je sais pas, ça se trouve non. Ah carrément pas, non, faut aller là-bas. T'aurais tellement bien fait le truc là. Ah, c'est assez stylé. Dis donc. Ah, comme ça, ça s'est fait. Donc c'est genre, ouais, je suis stylé, mais en fait, je suis pas costaud. Bon. Pour l'instant, on aura sans doute des ennemis bien plus coriaces après. Ils sont vachement stylés. Putain, mais j'ai pas le souvenir de les avoir vus, moi. Ah bah, tu vas te prendre une prune. Et toi aussi, finalement, hein. Eh bah. Et on récupère des munitions en plus. Pas beau ça? Faut aller là-bas, non, je pense. Faut descendre comme ça, j'imagine. Enfin, je dis ça. Oh oui. Oh, ça doit être ça, ouais. Oh oui. De toute façon, il suffit de voir des ennemis, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, un simple coup de poing et ça suffit. Pourquoi tu te caches? Attends là, faut aller où là? Du coup. Bon bah allez. Stylé hein. Très sympa, j'aime bien. Ah voilà. Voilà voilà. Attends, on va reculer un petit peu. Parce que ça fait un peu mal. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va, j'ai cru que j'étais tombé. Quand même pas trop faire le bête. Ah si, on peut quand même se... Oh bah ça va. Je me rappelle.
Pourquoi j'ai pas pensé plutôt à me... me mettre accroupi. Remonter quand même un petit peu l'énergie, hein, parce que sinon... Ah, ça s'arrête là. Franchement, mais artistiquement, c'est franchement, c'est super. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est vraiment super. Il est temps de briller. Ah ouais. Ah ouais, bah bien sûr, forcément, il y a, du coup il y a les grenades, normal. Ah ouais, d'accord. Bah ça va alors.
Bah ça va aller là. Ouais. Allez. Allez, c'est parti mon kiki. Si je meurs pas bien sûr parce que... Bah non. Bah c'est marrant parce que... Alors j'ai dit si je meurs pas parce que... comment dire... J'avais l'impression que ça durait moins longtemps. Dans le 1 quand on avait un... Je sais pas. Bon. Tant mieux. C'est peut-être juste une impression. Ouais, c'était sympa. Petite mission sympa. J'arrive pas à m'y faire au truc là. On peut pas y passer. Hein. Non. Voilà. Du coup, encore un autre truc à prendre ici ou... Ah bah non, la mission est terminée. Ok. J'avais même pas fait attention. Bah voilà, c'était sympa. Ah d'accord. Ah, je croyais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais non. Non, non. Gardien, nouveau mode coopératif, fait JCG de l'épreuve. Toutes les activités, comprises celles de la campagne, peuvent maintenant être réalisées en coopération à l'aide du répertoire. Parlez au seigneur Shaxx pour combattre d'autres gardiens. Lors de compétition entre joueurs dans l'épreuve. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Des nouveaux modes. Très bien. Oh, il fait nuit, comme c'est joli. Alors, on va se mettre top, parce qu'ils vont tous se spawner sur ma tronche. Bah voilà, c'était sympa tout ça. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur Destiny 2. Si ça vous intéresse de voir la suite ou... Bon, pas forcément la suite du solo, mais ne serait-ce que d'autres vidéos du jeu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah voilà. Je ferai pas tout le jeu en vidéo, mais c'était histoire de proposer quelque chose. Voilà. Moi, je suis bien content en tout cas. Je suis bien content du jeu et j'espère que vous serez aussi satisfait que moi. Même si je n'en suis qu'au début, je suis assez content. Là, c'était Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à partager, etc. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.